dans les villages ici, on travaille avec presque 1200 familles très très pauvres. Donc là, on a donné une formation. Donc on a des experts en pisciculture, par exemple, pour les élevages de poissons, de serpents, d'anguilles, tout ça. Et après, quand le paysan a construit le petit bassin qu'on a vu, souvent avec l'aide des voisins, avec l'aide de la famille ou quoi, s'il n'aura pas assez d'argent pour le faire tout seul, nous, on l'aide avec un microcrédit. Dans ce cas-ci, c'était 40 euros. Tiens, d'ailleurs, pourquoi on dit microcrédit ? On dit microcrédit parce que 40 euros, ça n'intéresse pas les banques. Hein. Les banques ne viennent pas dans les villages, c'est trop loin. Et puis 40 euros, c'est vraiment trop petit. C'est pas intéressant du tout. Donc voilà. Quand il aura vendu ses serpents, la première récolte de serpents, il pourra nous rembourser les 40 euros. Et puis on lui fera un nouveau prêt, peut-être un peu plus, peut-être 50, peut-être 60, quoi, en fonction des besoins. Pour chaque famille, on fait une enquête. Chaque famille a un petit carnet. Alors ici, par exemple, on voit le père, la mère, un enfant. Alors ils ont quoi comme maison, ils ont quoi comme terre. Et puis ici, on voit 138 000 dongs par personne et par mois. Ce qui veut dire à peu près 5 euros par personne et par mois. Donc à chaque prêt, on va mesurer les revenus. Donc là, on voit qu'on a fait un prêt de 1 million de dongs, ça veut dire 40 euros. Et qu'est-ce qu'on voit 2 ans après? C'est plus un revenu pour la famille de... au total, on était parti avec 5 millions. Maintenant, on est à 14 500 000. Donc en 2 ans, la famille a presque triplé les revenus de la famille. Et elle gagne dans les 14 millions de dongs à la fin, tout ça, comme tu le disais, voilà, grâce à l'élevage et tout ça. Voilà, donc elles ont un tout petit peu de riz, pas beaucoup, mais le plus gros revenu maintenant, c'est vraiment les serpents. Ils sont passés de à peu près 5 euros par personne et par mois, à maintenant ils sont à 300 et quelques, donc ils sont à peu près à 15 euros, quoi. Donc ça commence à être une famille qui s'en sort. Ils ne sont pas riches, hein, 15 euros, tu te rends compte, ça fait un demi-euro par jour, c'est pas grand-chose. Mais ça permet aux enfants d'aller à l'école. Si jamais il y a un membre de la famille qui tombe malade, on peut quand même aller au dispensaire et puis tout est payant, il faut acheter les médicaments, il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Même l'école est payante aussi. Donc on peut refaire le toit de la maison s'il est percé. Quand on gagne 4 ou 5 ou 6 euros par mois et par personne, s'il y a un trou dans le toit, ben voilà. Il y a des familles qui me disent, ben nous, quand il pleut, on s'assied dans un coin pour ne pas être mouillé. Maintenant, la famille de Thi se sent capable d'emprunter de l'argent une nouvelle fois pour développer encore son activité et espérer vivre mieux. Sur 100 familles, 98 réussissent à rembourser leurs prêts. Le microcrédit permet aux plus pauvres de s'en sortir.